Invité dans C'est à vous ce jeudi 6 février, Flavie Flamand est revenue sur son expérience traumatisante lorsqu'elle était adolescente. Il y a quelques années, elle a révélé qu'elle a été violée par le photographe David Hamilton. En 2016, Flavie Flamand sortait son livre La Consolation. Un ouvrage bouleversant, adapté en téléfilm, dans lequel elle racontait avoir été violée par le photographe David Hamilton. Des révélations poignantes qui ont incité plusieurs femmes à briser le silence, elles aussi victimes du célèbre photographe. Ce jeudi 6 février, Flamand Flamand était invitée dans C'est à vous. L'occasion pour l'animatrice de revenir sur la période sombre qui a suivi ces révélations. À cette époque, la parole n'était pas aussi libérée qu'aujourd'hui. Je me souviens qu'il y a 3 ans et demi, j'ai pris le risque de sortir La Consolation, je n'étais pas totalement consciente de tous les dommages collatéraux à la publication du livre. J'espérais qu'on me croit, j'espérais être soutenue. J'ai été crue par certains mais je n'ai pas bénéficié de ce soutien qu'on peut retrouver aujourd'hui à la parole des victimes, a-t-elle expliqué. Et de poursuivre, je me souviens on osait à peine me recevoir. On me disait, on risque un procès en diffamation, a-t-elle expliqué. Elle avait besoin de parler, après avoir vécu cette terrible épreuve, la pétillante blonde a décidé d'aider les autres victimes de viol ou d'agression sexuelle. Ainsi, elle a joué un rôle important dans le cheminement de la patineuse, Sarah Abitbol, qui a accusé son ex-entraîneur Gilles Bayer, de viol. Je me souviens très bien de son appel. Elle avait besoin de parler, de partager et de se dire qu'elle n'était pas seule. Elle était à Miami, j'étais à Paris. Parenthèse ouvrante, point parenthèse fermante. Je lui ai proposé de lui faire rencontrer des personnes qui pourraient la faire sortir de ce silence délétère. Les deux femmes ont su s'écouter, s'aider et de soutenir. Flavie Flamand a alors proposé à sa consœur de lui faire rencontrer des personnes pour l'aider à faire sortir ce témoignage. C'est difficile de donner des conseils, on vit tous avec notre drame et on essaye tout d'en faire quelque chose, a-t-elle conclu.